Yeah.
Je n'avais jamais pensé que le papa de mes enfants
allait me quitter. Et je n'avais jamais imaginé que le papa de mes enfants allait voyager. Et je n'avais jamais pensé que ma mari dans la vie allait partir. Et je n'avais jamais pensé que le papa de mes enfants allait me quitter. Et je n'avais jamais pensé que mon mari dans la vie allait voyager. Et je l'aime. Avec vous.
n'est-ce pas? Elle s'appelait Marie. Plus fort. Elle s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie. Une femme ordinaire, supplée jusqu'aux os, l'océan au fond des yeux. Allez va. Elle s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. Plus fort. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. Elle s'appelait Marie. Moi je l'appelle Marie. Elle s'appelait Marie. Moi je l'appelle Marie. Elle s'appelait Marie. Moi je l'appelle Marie. Maria, 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 Maria
formidable. Je comprends maintenant entre vous et moi. Entre vous et moi, c'est le piment, n'est-ce pas? Les gens de tout le monde, on y va. On va chanter, on y va. Ça nous démontre
Ça nous prouve l'amour que vous avez pour nous. Ne nous lâchez pas, s'il vous plaît. Ce métier est difficile. 30 ans de carrière, nous vous devons notre carrière. Soyez bénis, Dieu vous le rendra. Je ne m'attendais pas à ce beau monde pour un dirige. On a essayé, ça marchait. Merci beaucoup, merci infiniment. Maintenant, je vais chanter les chansons que vous avez demandées. Choisissez vos chansons, s'il vous plaît. Je vous écoute. Qui ont failli m'amener en prison au pays, donc il ne faut pas les choisir ici, s'il vous plaît. Il y a des chansons qui vont créer des problèmes en Afrique. Je vous prie de ne pas les choisir ce soir, sinon là-bas on va comme arriver à la réponse, s'il vous plaît. Alors choisissez vos chansons, laquelle vous voulez? Yeah.
Malox et le grand-père, c'est lui-là qui a donné l'occasion à la musique camerounaise de s'exporter. C'est grâce à lui qu'on fait ce qu'on fait. Tu me voyais faire le fou là, c'est à cause de mon grand-père. Faites un maximum de bruit pour le petit pays. Hey babe, I'm not going to take your time plenty. Hein? Assez. Ladies and gentlemen, right now let's go. Nous on est au quad. Et comme les gars du Boko Wanzi. Yes, 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 c'est pour mes frères paix. Au bois, oui, des faux quata, on est à hype. Et comme les gars du Boko Wanzi. Eh ben,
Yes, 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 c'est pour mes frères et pères, on y va. I don't walk on be small, see my foot. Up, down, around town, see my boots. My foot in the world, in each and shoes. Like pants or man, I defy for my own. The ride and the gossip, hala, hala. No time for daily fight, man, pala, pala. Hustle hard, nigga, I do waka, waka. I don't come for parties, we come out of the bando. Yeah, yeah, yeah. Papa, papa, tu sais que notre concert qu'on devait faire à Douala, on n'a pas pu faire. Donc quand tu bats, on gère les bails. Ladies and gentlemen, Stanley Noyd est là. Fais des maximum de bruit pour mon grand-père. Toma, 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 toma
Je vais partir.
J'adore Abidjan. Autant de refus poignés. Tiens. J'aime aussi.
Oh, man.
Shopiprod, Camel.be et nos partenaires. Alors, vous venez d'assister au concert de Petit Pays. Quelles sont vos premières impressions? Ben, écoutez, je suis agréablement surpris parce que c'est la première fois que j'assiste au concert, un concert live de Petit Pays. Live, je précise bien, un concert live de Petit Pays. Et je suis très agréablement surpris. Donc, je suis très content d'être là ce soir parce que je vois que notre pays soutient bien la culture à travers notre Turbo d'Afrique. Donc voilà, le concert s'est très bien passé. Alors vous êtes un restaurateur, est-ce que c'était important aussi pour vous en tant que un responsable de la cuisine africaine, cuisine camerounaise, de venir aussi apporter quelque chose, un soutien à la culture, comment dirais-je, musicale? Oui, bien sûr, c'est toujours important de soutenir la culture africaine, surtout la culture musicale, parce que c'est ça qui nous transporte hors de nos frontières. Donc en tant que représentant du restaurant Le Notable, je suis très content parce que ça me donne aussi l'occasion de rencontrer les autres personnalités de la diaspora camerounaise ici à Paris et de faire leur connaissance et de leur présenter aussi ce que nous on peut faire au restaurant Le Notable. Okay. Alors, président Chenelas, vous êtes un grand organisateur d'événements. Vous venez d'assister à ce concert, quelles sont vos premières impressions? Mes premières impressions, vraiment, je tire un coup de chapeau à Topedo. Vraiment, ça a été du bon. Et Petit Pays, vraiment, il a fait du show. Il a mis le monde au niveau de l'attente. Et vraiment, Malors, vraiment, il a fait aussi à son niveau. Et vraiment, c'est la génération montante, Malors, vraiment. On peut les espérer un jour dans la nuit du Cameroun? Pourquoi pas? Pas plus tard peut-être que 2017, si prêt à Dieu, bien sûr. Merci, Monsieur le Président, merci. Alors, le grand manager qu'on ne présente plus, Monsieur Roger Dissaké, vos premières impressions après ce grand show de Malox et Petit Pays? Déjà, je suis très content. J'ai une petite joie, mais qui est immense, parce que pour un dimanche, je pense que tout le monde a répondu présent. La salle, elle est pleine. C'est un honneur pour notre pays, le Cameroun, et pour notre artiste Petit Pays, qui est comme le flambeau. Alors, Monique, vous avez apprécié. Quelles sont vos impressions? C'était magnifique. C'est toujours un plaisir de voir Petit Pays sur scène. Et là, au Trianon, c'était waouh. Et malheureusement, en première partie, je ne vous fais pas dire. Ça sort comme ça sort, c'était magnifique. Voilà, j'étais très contente d'être là. Et j'étais aussi contente de voir que le Cameroun est au rendez-vous aujourd'hui pour soutenir et supporter la culture. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Abdelaziz Moundé, vous êtes un amoureux de la culture camerounaise, de la musique africaine. Ce soir, quelles sont vos premières impressions après cette démonstration de show de Petit Pays en live? Oui, c'est une joie d'Africains, de Camerounais. Je le dis souvent et je le répéterai encore au besoin tout le temps. Les Camerounais, les Africains n'ont pas de problème de virtuosité, n'ont pas de problème de qualité, n'ont pas de problème d'expression scénique. Ils ont un seul problème, c'est que les publics suivent. C'est que les Camerounais soient là massivement pour partager un moment de bonheur, de joie, ou le spectacle vivant, comme on l'a vu ce soir avec Petit Pays, il y avait de la qualité. Il y avait un artiste sublimé par le lieu où il est. Parce que Petit Pays, je l'ai vu à plusieurs endroits, mais il n'était pas aussi beau, aussi rayonnant, aussi flamboyant. Et c'est simplement pour dire que, comme l'occasion fait le larron, l'écrin fait le virtuose. S'il y a quelque chose que vous avez retenu ce soir, ce serait quoi? Alors, deux choses. La première, c'est l'exaltation que peut avoir un artiste de la dimension de Petit Pays dans un lieu approprié pour le spectacle vivant. La deuxième, c'est une déception que nous n'allons jamais cesser d'exprimer vis-à-vis d'un peuple, les Camerounais, qui sont le peuple de Francis Bébé, de Manu Dibango, le peuple de Claude Ndam, le peuple de Toto Guillaume, mais qui ne peut pas encore comprendre que on est Camerounais aussi quand
on se retrouve tous ensemble pour célébrer la qualité, l'excellence. Et ce soir, il y avait de l'excellence. Je souhaite que les prochaines occasions qui réuniront les Camerounais soient des occasions où on voit les rues de Paris qui soient occupées, investies par à la fois ceux du pays d'accueil, les Français, les Africains, mais pas les Camerounais pour célébrer la virtuosité. Alors si je lis entre les lignes, il vous a manqué ce soir plus de monde. Il a manqué du monde et il en manque souvent du monde. Il en manque souvent du beau monde et il faudrait que ce travail-là soit pris à bras le corps, que les Camerounais puissent venir au spectacle tout simplement. Ok, merci. Camerounaise, africaine, ce soir, en tant que communicant, quel est votre mot? Quelles sont vos premières impressions? Bon, on est en train de passer une très belle soirée avec Rabat Rabi, comme d'habitude. Voilà, tout le monde le voit, il déroule, comme d'habitude. Donc, on n'est que ravis. Et vous qui avez vécu cette organisation de l'intérieur, qu'est-ce qui pour vous a fait le piment de ce spectacle? Je pense que c'est l'homme même. C'est l'image déjà, Petit Pays. Bah, lui tout seul, quand on entend Petit Pays, bah, on a envie d'adhérer. Donc je pense que c'est ça, c'est lui. Merci. Je vous en prie. Monsieur, vous venez d'assister à ce concert. Quelles sont vos premières impressions? Le public camerounais a répondu présent et c'est tout ce qu'on peut demander à nos frères, que chaque fois qu'il y a un truc pareil, qu'il y a un événement, même si c'est le dimanche, sachant qu'on travaille le lendemain, on peut venir faire un tour. Je sais que le concert il a commencé tôt, il va s'achever bientôt. Donc un remercie Petit Pays pour le spectacle qu'il nous a donné. Il a toujours été à la hauteur de l'attente que nous et l'espoir qu'on met pour lui, quoi. Et on le remercie vraiment. Et je remercie tous ceux qui sont venus soutenir la culture camerounaise. Vous êtes un artiste, des artistes qui supportent des artistes, qui viennent encourager. Quelles sont vos impressions en tant qu'un aîné, en tant qu'un virtuose aussi de la musique camerounaise? Déjà, je dis merci et bonsoir pour le fait de venir me poser des questions sur ce qu'on vit à l'heure actuelle. Moi, c'est formidable. Déjà, dis merci à Petit Pays. Avoir le courage, à travers Torpedo, d'organiser une soirée dans une grande salle. Les Camerounais, nous avons un grand retard, sans oublier, pour l'organisation dans les grands stars. Donc, il y a Torpedo, il y a Armand Lène. Ils sont nombreux qui viennent, en réalité, pour suivre la voie, pour apporter autre chose dans notre culture. Moi, je dis... tout ce que je dirais, c'est que nous devons accepter, se dire, donner du courage à qui le font. Et je suis inquiet pour une chose, que la population, que la diaspora apprenne à venir dans les soirées et non de se poser la question qui organise. Venez quand vous aimez un artiste, venez vivre les réalités de la culture, laissons un peu toutes ces intrigues pour notre bonheur, pour votre bonheur, pour la réussite de notre culture, qui est pratiquement un pays sans culture, un pays qui se meurt. Je sais que vous êtes dans les coulisses de l'organisation du Zénith, ce n'est pas le lieu, mais alors, comment faire, comment encourager le public venu aujourd'hui de venir massivement pour le mois prochain au Zénith? En réalité, déjà, il y a la cause. Le Cameroun est en train de subir la barbarie. Alors, qu'est-ce qu'un Camerounais peut donner en dehors de ce que les militaires, les hommes en tenue sont en train de donner? C'est de leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'Afrique, pour tout ce qui est en train de se passer? C'est d'apporter notre contribution en disant, voilà le peu qu'on peut donner. Si ça peut aider ceux qui sont dans ce combat, ce peuple qui se déplace, c'est le peu que nous pouvons apporter. Donc moi, je dis aux Camerounais, à nos frères et sœurs, de venir le 27 mars vivre en disant à la barbarie stop, en se disant peut-être à travers ces mots, à travers ce que nous sommes en train de faire, notre voix ira plus haut près du Seigneur, que ces barbares arrêtent ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun. En dehors de nous, nous avons nos enfants, nous avons tout ce que nous sommes en train de subir. Nous sommes dans un pays où on vit plein de choses, où on se dit, pourquoi nous aujourd'hui? Alors moi, la nouvelle que j'envoie à ces barbares en Afrique,
c'est de laisser l'Afrique et de laisser le Cameroun tranquille. Nous vivons dans la paix et nous voulons démontrer le 27 que cette Afrique nous appartient, ce Cameroun nous appartient. Et qu'aujourd'hui, nous allons démontrer aux Camerounais ce que c'est que l'art. Une trentaine d'artistes sur un même plateau pour démontrer en réalité qu'on peut organiser, qu'on peut le faire. Et je suis parmi l'un des responsables sur le plan de l'organisation. Que mes fans viennent, ils verront ce que c'est qu'on appelle une soirée et quelques en plus. Merci, merci. 2-1. Gauthier, le grand Gauthier du restaurant Lancam à Paris. Vous avez organisé il y a quelques mois, il y a quelques années, les 30 ans de Petit Pays. Vous venez de suivre votre artiste de cœur. Quelles sont vos premières impressions? Oui, déjà, la première chose, vous voyez que c'est toujours les 30 ans de carrière de Petit Pays qui continuent à se célébrer. Il a dit lui-même. Et vraiment, c'est un grand honneur pour moi d'avoir initié ces 30 ans de Petit Pays qui continuent à rassembler les Camerounais de partout dans le monde entier. Et comme vous l'avez vécu, vous avez vu que Petit Pays est resté égal à lui-même, a donné un show inqualifiable. Merci. Amalène, vous êtes un organisateur d'événements, vous venez ici encourager la culture camerounaise. Quelles sont vos premières impressions? Je pense que il y a une éducation qui est en train de se faire progressivement pour les grandes salles. Il y a 8 ans, 9 ans, quand on a commencé, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, je crois que pour un dimanche, les Camerounais commencent à prendre l'habitude des grandes salles. Et c'est là notre objectif. On peut venir à un concert et après on va faire la fête. Mais ça doit rester dans notre culture parce que le live, c'est ce qui valorise un artiste. Donc je ne peux qu'encourager, c'est la raison pour laquelle je suis là. Et le 27 mars, vous donnez rendez-vous au Zénith? Oui. Alors le 27 mars, nous sommes passés à un challenge au-dessus. On a 8 heures de live. Donc on a fait pratiquement un double Zénith pour valoriser la culture africaine parce qu'il y a quand même 27 à 28 pays qui sont représentés. Et c'est une autre façon d'aller à une dimension au-dessus parce que c'est la culture africaine que nous mettons en exergue, même si nous valorisons un peu plus au Cameroun, mais là, ça va être un rassemblement des meilleurs Africains. Voilà. Aïcha Sol, je vous ai vu bouger, danser, chanter. Ce soir, vous étiez en fête avec Petit Pays. Ah oui, ce soir, c'était du lourd. Petit Pays, déjà, il est sorti du cercueil. Ça, c'était waouh. Et il a assuré, ça reste Petit Pays, c'est notre turbo, c'est le meilleur en spectacle, il n'y a pas mieux. Et je suis très heureuse pour lui parce que être au Trianon à Paris aujourd'hui, c'est une fierté pour nous Camerounais. Et je pense qu'il était temps que Petit Pays commence à faire des salles mythiques par rapport à son expérience. Et moi, je me suis particulièrement amusée super bien ce soir. J'espère que tous les Camerounais qui étaient là ont profité du spectacle de Petit Pays parce que c'est le vert et jaune qui gagne. C'est le vert et jaune qui a été représenté. Et moi, je suis fier de la diaspora parce que voilà, on a fait le travail, il a fait le sien. Et je suis fier. Alors, sur ce, je profite merci aussi pour dire que je suis manager de l'Afrique à Paris le 27 mars. Venez contre au Zénith. Là-bas, au Zénith, voilà. Contre la barbarie en Afrique. Merci, à bientôt, Staï Chassé. Merci. Monsieur, vos premières impressions après ce spectacle de Petit Pays? J'ai l'impression d'un fan qui est ravi. Je suis content de ce que j'ai vu. L'artiste est resté égal à lui-même après tant d'années. Donc, c'est un artiste que je suis depuis l'adolescence. Donc, je me devais de l'être là aujourd'hui pour le soutenir au Trianon. Première fois dans une salle prestigieuse. Je suis très content du spectacle et voilà quoi. Merci. Alors, Pascal Pierre, on ne vous présente plus. Vous avez été l'un des communicateurs de ce spectacle. On arrive au bout du bout. Alors, après 6 mois d'instance, travail de communication, quel est votre premier sentiment? Un sentiment de fierté. Si vous avez des images, pour ceux qui regardent les images de ce concert-là, Petit Pays s'est surpassé. Il a été excellent du début à la fin. La prestation scénique, les surprises, la moto, et puis derrière, cette croix, les images, et puis l'orchestration. Tout le monde a été à sa place. C'est un moment magique dans une salle prestigieuse de France, ici, au Trianon. Petit Pays a été à la hauteur de sa réputation, provocateur, innovateur sur un certain nombre de plans. Et puis, bon, on est satisfait du début jusqu'à la fin de ce qu'il a pu donner ce soir. Et il a montré qu'il reste
petit pays et que le Cameroun sans petit pays n'existe pas. Alors vous qui avez l'habitude de suivre les artistes depuis 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qui aujourd'hui a fait la magie? Qu'est-ce qui est le plus a retenu votre attention? D'abord, c'est cette prestation de petit pays. On ne s'attendait pas, à ce que petit pays puisse avoir cette prestance-là à ce niveau. Il est maintenant l'homme des grandes salles. On a vu Petit Pays à remplir les stades sur le continent africain, faire des prestations ici et là. Et maintenant, c'est un début d'une nouvelle ère de Petit Pays. Salle prestigieuse, il vous l'a annoncé, Petit Pays après le Trianon, c'est peut-être l'Olympia, c'est peut-être le Zénith. Et la différence est là, ça veut dire que la maîtrise de la scène, au même titre que tous les autres chanteurs qui sont passés ici, ils sont prestigieux. Tous les chanteurs américains, français et européens qui sont passés dans cette salle prestigieuse. Et Petit Pays vient d'imprimer sa marque ici dans cette salle. Et nous sommes tous mis derrière Petit Pays et heureux que ce soit Petit Pays du Cameroun. Alors un dernier mot, je sais que vous préparez un Olympia au mois de juin, spécial Bikusi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à ce sujet? Comme on l'a été avec Xmaleya, avec Talandré Marie, avec Charlotte Dipanda, Petit Pays aujourd'hui, nous allons faire un autre volet de notre ère culturelle et qu'enfant métier à l'Olympia. Je voudrais déjà demander aux uns aux autres de s'y préparer le 10 juillet prochain. Voilà encore le Cameroun qui va s'illustrer avec toute la grande famille et qu'enfant métier, 17 stars. Vous êtes les bienvenus. Il faut aller parler aux autres et dites-leur qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, de l'inédit. Pour la toute première fois, on va voir des hologrammes sur une scène en France et ce sera le Cameroun et le peuple écan. Merci. Merci. Didier Sam, on ne vous présente plus. Vous avez l'habitude de faire danser les musiques de Petit Pays. Vous êtes venu soutenir ce Petit Pays. Quelles sont vos premières impressions? Franchement, j'ai été satisfait ce soir. Petit Pays, il nous a baissés. Et aujourd'hui, il a encore prouvé de quoi il est capable. Et c'est le Cameroun qui gagne. Franchement, j'ai eu la chair de poule. Hein, je suis très content. Comme je dis, c'est le Cameroun qui gagne. Et là, c'était deux générations, dont Petit Pays et Malox. Comme quoi, il faut passer la relève. Et puis, voilà quoi. Merci. Alors, Freddy Mix, vous êtes venu soutenir la culture. Vous avez été l'année dernière avec Charlotte Dipanda. Vous êtes un amoureux de la culture. Qu'est-ce qui vous a impressionné aujourd'hui dans le spectacle de Petit Pays? Bon, il y a beaucoup de choses qui impressionnent toujours quand on vient dans des salles mythiques comme le Trianon, comme la Cigale, comme l'Olympia. L'ensemble a été tout a été bien. Tout s'est bien passé. C'est très bien passé parce qu'on avait dans la main un génie de la technique qui est Torpedo, qui est le producteur de cet événement. Donc il a mis les petits pas dans les grands. Nous tous on a vu, hein, on a vu les pyrotechniques, les scènes qui se défaisaient. Donc le concert en lui-même était bien. Mais le problème c'est qu'il nous manque encore beaucoup de travail. On a encore beaucoup de travail à rassembler tout ce monde-là, toute la population camerounaise pour venir soutenir notre culture. Parce qu'un monument comme Petit Pays méritait bien ce plateau. Donc tout le monde était content et là, la fête était très belle. Très très belle. Très très belle. Merci. Et merci de... Donc, merci de continuer à soutenir la culture camerounaise parce que c'est grâce à vous que les artistes vivent. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez beaucoup. L'Ocadmi. Monsieur Bertrand Torpedo, vous êtes toujours le grand magicien qui organise de belles choses ici ce soir. Petit Pays au Trianon, c'était un défi. Comme d'autres défis que vous avez su relever, quelles sont vos premières impressions? Bon, déjà, c'est de la satisfaction parce que le concert a été vraiment parfait. Du début à la fin, je n'ai pas entendu un seul Larsen, je n'ai pas vu un couac. Tout a marché vraiment à la perfection. Donc je pense que les gens qui étaient là en ont eu pour leur argent. C'était techniquement beau, c'était artistiquement agréable. Et bon, j'ai rien à dire, c'est du bonheur, c'est vraiment du bonheur pour les gens qui sont venus. Merci. Merci à vous. Nous allons à la rencontre de l'artiste. Présent Chop Chop, on ne vous présente plus, vous avez fait des déplacements, vous avez introduit Petit Pays, vous êtes quelqu'un, un amoureux de la culture camerounaise qui accompagne les grands artistes. Alors ce soir, quel est votre mot, votre sentiment? Franchement, c'est un sentiment de joie,
que je partage certainement avec le public du Trianon. J'ai vu quelque chose d'exceptionnel, une autre dimension de l'artiste et ça donne espoir pour l'avenir. Je sens que demain, ce sera un nouveau jour pour Petit Pays qui a amorcé une nouvelle phase de sa carrière. Un spectacle exceptionnel avec un son de qualité, un public de qualité et surtout une scène exceptionnel, tel que le Camerounais mérite. Un autre public, j'ai vu des familles venir regarder Petit Pays au Trianon. Franchement, il faut encourager cela et je suis très ravi d'avoir découvert tout cela et d'avoir vécu un spectacle et des moments exceptionnels en compagnie du meilleur artiste camerounais sur scène. Lui, il est incomparable, Petit Pays. Merci. Guy Alexandre Mambo, vous avez été au four et au moulin durant des mois, des semaines, des heures. Vous n'avez pas compté vos nuits. Et aujourd'hui, quel est le sentiment du communicant, du communicateur que vous êtes après cette belle soirée, cette belle scène que Petit Pays et vous avez su nous offrir? Moi, je suis content, je suis très content. J'avais des petites peurs, mais les peurs n'étaient pas au niveau du Petit Pays parce que je sais que l'artiste a toujours sa part de magie, sa part d'explosion à un moment bien précis, ce qui ne nous concerne pas, nous, les humains qui devront à un moment bien précis pouvoir faire un travail avec les outils que nous avons pour pouvoir édifier ce qu'il produit. Moi, j'avais plutôt peur au niveau de l'appel du public parce que je me disais, il y a deux choses, où on l'a fait comme on avait l'habitude de faire en se disant Petit Pays c'est un talent sûr, c'est bon, c'est parti, ou on l'a fait en disant il y a une opportunité que Paris nous offre, le Trianon. Torpedo Production, dans sa mission de pouvoir diffuser les spectacles, se dit cette fois-ci c'est le Trianon. Alors, comment est-ce qu'on peut faire avec le Trianon? On fait le Trianon avec tout ce que ça comporte comme cadre, plan média et marathon médiatique pour tout ce que nous avons. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de booker le maximum de radio et de télé à Petit Pays. Et à chaque fois qu'on arrivait, c'était quelqu'un qui était connu. Malheureusement, au Cameroun, c'est pas à sa hauteur. On est passé le dernier jour, la veille, on était à TV5 Monde, à l'édition journal d'Afrique. Il s'est exprimé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui sortait et que moi je me suis dit, maintenant place au public. Et le public a répondu présent. On ne peut pas dire que la salle n'était pas présent. Et aujourd'hui, mission accomplie. Mais c'est un nouveau travail qui commence. Il faut maintenant que le Cameroun s'habitue à ce genre de rendez-vous. Bien entendu que la veille, il y avait une soirée normale, comme on a l'habitude de faire, des femmes que je ne citerai pas, les femmes battantes. Mais il y a aussi désormais le Cameroun musical qui devait être présent dans les salles conventionnées et les salles mythiques parisiennes. C'est ça le message. Alors, je sais que vous êtes un homme infatigable. Après le Trianon, quels sont vos prochains challenges? Oh là 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 là, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas parce que je me dis que avec les autres, nous avons comme une mission. Je l'ai senti, hein, parce que parfois je fuis les choses, mais les choses viennent à moi. Il y a d'autres missions qui vont arriver. Nous avons le Zénith en mars. J'y suis, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas quel rôle jouer, mais je pense que j'y serai. Il y a le festival et quand Petit, le 10 juillet à l'Olympia, avec une pléthore de 17 artistes qui vont prester pour pouvoir faire en sorte que l'un des rythmes les plus populaires du Cameroun, comme Athébas le disait, le rythme endiablé d'Afrique, ça se danse avec cadence, sera présent le 10 juillet à l'Olympia et j'y serai, on va encore se battre. On va se battre pour qu'on soit présent avec toute ma fine équipe, le plus doué GPS, mon photographe personnel, mon petit, le plus doué, il y a Hilaire Sopi, il y a Canal 2, il y aura tout le monde, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un collège pour que seuls les artistes soient mis en avant et que toutes les autres compétences viennent pour pouvoir faire en ce que le Cameroun vive, le Cameroun musical vive à Paris. C'est notre message de la diaspora. Voilà, merci. Merci, je vous sens tout heureux, tout fier. Merci, merci et à très bientôt. Merci. C'est bon. Donc, okay, c'est quand vous voulez. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Oui, en tout coulée. À fait. Nous sommes à la fin de votre concert ici au Trianon. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une mission accomplie pour vous? Il y avait beaucoup de monde. Comment avez-vous trouvé le public ce soir? Déjà, c'est un sentiment de joie et de fierté pour la musique camerounaise sur la place parisienne. Et j'ai trouvé ce beau public très chaleureux, très fidèle, comme d'habitude, et très encourageant. Donc, vraiment, nous sommes émus, nous sommes contents. On remercie le Seigneur pour un dimanche. Avoir un monde aussi beau, sérieux, venant de partout, pour un dimanche, vraiment, nous sommes heureux et on peut remercier davantage le Seigneur. Où est-ce que vous avez trouvé la force de faire ce show-là ce soir?
parce qu'on sait que c'est un dimanche, on est en vacances, c'est le carême. Comment vous avez trouvé la force? Ben avant de parler, j'ai d'abord remercié le Seigneur. J'ai dit qu'on remercie le Seigneur. Et vous savez que toute force part de Dieu. Voilà, nous-mêmes, on ne se connaît pas. On est géré par une force naturelle, hein, suprême. Voilà. Donc, c'est Dieu qui me donne la force. Et c'est à travers Dieu que je m'exprime. C'est-à-dire, c'est lui seul qui me donne la force. Voilà. Vous êtes sorti d'un cercueil tout à l'heure pour commencer le concert. Ça signifie quoi pour vous? C'est symbolique. C'est ma façon de faire. C'est l'homme, c'est petit pays. On aime ou on n'aime pas, c'est ça, c'est tout. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait marquer un peu la plaque parisienne avec des médias aujourd'hui et tout. Vous savez, le cercueil, c'est quelque chose de symbolique qui fait peur. Il faut un courage vraiment assez séduisant pour pouvoir le faire. Et Dieu merci, ça a marché. Ça vous a plu, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Vous êtes un artiste qui sait parler au cœur des femmes, qui sait parler aux femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou c'est à force de côtoyer des femmes dans votre parcours? C'est pas inné, mais c'est à force de côtoyer des aînés. J'ai toujours côtoyé des aînés et écouté les conseils des aînés. Et cependant, j'ai compris le problème des femmes depuis mon enfance. Vous savez, en Afrique, les femmes ont des problèmes. Elles n'arrivent pas à s'exprimer librement. Ça commence aujourd'hui à travers mes chansons où on sent comment je défends les femmes. Aujourd'hui, on trouve les femmes sur les postes clés un peu partout au Cameroun et en Afrique. Justement, si vous deviez séduire une femme aujourd'hui, vous feriez quoi? J'ai pas compris. Si vous deviez séduire une femme aujourd'hui, vous feriez quoi? Mais c'est de chanter davantage pour la femme, essayer de trouver des mélodies et de défendre davantage les femmes. Parce qu'elles le méritent et vraiment, ça devrait se faire davantage. À quoi un featuring ou un duo avec un artiste caribéen? Oh, pourquoi pas? Enfin, je sais pas, j'attends les propositions. Mais bon, j'attends, la porte est ouverte à tout le monde. Mais pour l'instant, je pense que je suis encore chargé, je crée encore des chansons dans le featuring pour l'instant. Bon, on ne sait jamais, pourquoi pas, si c'est un étranger qui veut, qui sollicite Petit Pays, pourquoi pas, je pense que je serai disponible. Donc la porte est ouverte, quoi? Elle est ouverte. Petit Pays, c'est quoi la prochaine étape après ce spectacle? C'est le Zénith, nous l'annonçons parce que nous pensons qu'on peut le faire maintenant, on a réussi notre pari, Dieu a béni, on a réussi à rentrer dans l'histoire des grandes salles, des salles fiables. Et mon monde qui m'entoure et tous ceux qui nous soutiennent, nous demandent et nous encouragent d'aller au Zénith. Dans l'année prochaine, ça c'est sûr, quoi. On a eu le sentiment, justement, à la fin de ce spectacle, que vous êtes capable, à vous seul, de chanter pendant 8 heures, 10 heures. Tout à l'heure, Dr Raoul l'a précisé, que voilà, il me sentait étouffé parce que je n'arrivais pas à m'exprimer. On a l'habitude. Nous, on se chauffe à partir de 5 heures, 6 heures, le temps de show. Et là, le format européen nous permet de ne pas aller au-delà. Bon, maintenant, étant donné que Chop Chop Landry est là, Dr Raoul est là, Hermé Djombi est là, Alain Joker, Didier, Poupé, ainsi de suite, ils sont nombreux, tout l'entourage, on s'est dit, tiens, et Yabekoué dit, l'année prochaine, par sa pierre, on peut aller au Zénith. Et voilà, c'est parti, on se dit que l'année prochaine, on va au Zénith et le boulot va commencer dès maintenant. Vous sortez dans cercueil, on voit la croix derrière, on voit tout ce spectacle spirituel, un peu comme l'élévation, mourir pour un être. Et en même temps, on voit tous ces jeunes qui sont autour de vous, Maloc, c'est une sorte de transmission. Ce message est passé depuis longtemps. Vous savez, il y a une influence par rapport à ces jeunes-là. Ils ont compris que voilà, leur aîné qui a fait des choses qu'aujourd'hui, ils essayent de aussi reproduire en provoquant un peu. Ils ont tous compris que voilà, l'homme était lié au spirituel, c'est-à-dire était lié à une force naturelle, une force divine, parce qu'il ne fallait pas les tromper. Donc, il faut bien que je leur montre que le chemin que j'ai emprunté et la force que j'ai aujourd'hui de pouvoir faire ce métier qui les a fait rêver et tout vient de Dieu. Donc, raison pour laquelle je symbolise toujours cette image du Seigneur. Et le conseil que vous donneriez aux jeunes artistes afro-caribéens qui veulent percer dans le milieu, leur diriez quoi? D'être sérieux, de travailler et de faire confiance en Dieu, tout simplement. Merci. Merci.